Tu as insisté pour faire ta chronique avec Gilles. Non, mais arrête avec ça, toi. On dirait que je t'ai harcelé. Non, ça va 5 minutes. Non, mais des tags, j'espère, non ? Alors, à vous, non. Oh. Mais à l'animateur fougueux que j'ai à côté de moi. Ouais. C'est voilà, pendant les 5 prochaines minutes et aussi aux chroniqueurs ici présents. Pourquoi ? Parce que chronique uniquement consacrée à notre chanson de fin dans un éclair de guenille. Ah, bon Dieu. Chanson désastreuse qui en a fait fuir plus d'un. Voilà, c'est vrai. Alors, il faut expliquer le principe. Depuis 4 ans que l'émission existe, j'ai pour habitude de créer et d'écrire une chanson de fin. Pas une ligne éditoriale qui n'existe pas. Une chanson de fin à la toute fin de l'émission. Oui. Donc, on chante ça. Qu'on est obligé de chanter. Tu écris les paroles ? J'écris les paroles. Ah, mais il fait tout. Il sait à peine écrire. Hein. Oui. Mais c'est ça le problème. Et on se prend des coups de taser. Dès qu'on chante pas, bam, il nous met un coup comme ça. Franchement, ce qui est terrible, c'est qu'il se prend pour Jean-Jacques Goldman quand il fait ça. Il nous envoie des maquettes, il nous dit mais plus comme ci, plus comme ça, des versions, etc. Non, mais c'est vrai. Parfois, il nous envoie même des messages vocaux en chantant, en nous disant ça c'est bien, c'est pas bien. Prends la tienne. Sur une nouvelle tonalité, Maxime. Justement, Gilles Verdez. Pas faire des tours de magie. Gilles Verdez, vous avez évité cette chanson puisque vous partez juste après la pause. Voilà. Ah, très mais bien. Donc, pour vous la montrer, puisque je suppose que vous ne l'avez bah jamais entendue. Bah maintenant, bah non, j'ai réussi à choper justement un extrait vocal, un message vocal de Maxime Guény qui la chante a cappella, s'il vous plaît. Oh, yeah, yeah, yeah. Ce soir, c'est l'éclair de Guény. 1h30 de rire et de plaisir. Ensemble, on est tous réunis pour un programme vraiment inédit. Ouais, là, il y a de la justesse quand même, hein, ça va. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est un naufrage. Il se jette des fleurs, quoi. Non, mais c'est un massacre. C'est réellement un massacre. Donc, comme vous avez pu le constater, Gilles, on touche le fond à chaque émission. Ah là, oui. Et cette chanson, malheureusement, elle ne fait pas l'unanimité auprès de nos invités. Non, mais c'est vrai. Quand ils viennent, on voit la détresse dans leurs yeux. On voit qu'ils regrettent d'être venus à chaque fin d'émission. Ils s'y attendent pas, surtout. Ils s'y attendent pas. Dans le regard, tu te dis, mais. Non, mais ils disent c'est une bonne émission qui a du contenu. Et on arrive à la fin. Voilà, et on voit dans leurs yeux qu'ils n'ont plus envie d'être là. Et bien justement, j'ai dans ce magnéto, si vous voulez récupérer, plein de petits moments de détresse de la part de nos invités. Regardez. Deux, trois, quatre. Ce soir, c'est l'éclair de Guény. Ce soir, c'est l'éclair de Guény. Des jeux, des vannes avec des interviews. Un programme vraiment inédit. Avec l'air de Guény. 1h30 de plaisir. Quand même, il y a un potentiel. Finalement, je change d'avis. Bah, vous m'avez ignoré à RTL, mais au moins là, vous me considérez, c'est magnifique. Mais non, je sais où vous êtes dans le coin, et à chaque fois, vous êtes dans le coin là-bas, concentré sur le téléphone, et à chaque fois, vous dites bonjour. Ben, j'ai la dentelle tout à l'heure. Alors, bien ça ne change pas, ici, t'es toujours dans le coin. J'ai une carrière dans le coin, moi, c'est incroyable. Bon, quand j'ai remarqué que nos invités souffraient finalement de cette musique, parce que c'est vrai que c'est une souffrance qu'on a vu là, je me suis dit, comment donner l'électrochoc à Maxime Guény, comment lui faire rendre compte que ça ne va pas, qu'il faut changer d'attitude et peut-être condamner cette musique. Donc, pour vous faire un petit peu remettre en question, j'ai contacté des pros du monde de la musique et du spectacle. Regardez leurs réponses. Que dire ? Elle est sympa la chanson, elle est vraiment bien. Non, écoute, Maxime, honnêtement, moi je t'aime beaucoup, tu sais. Ça aurait été une bonne chanson pour Dorothée, mais tu sais, Dorothée, ça fait à peu près 25 ans qu'on l'écoute plus trop. C'est qu'il y a une raison, hein, c'est que la musique elle a évolué. Après, au niveau du texte, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça rime, c'est cool. Bah écoutez, copains, j'ai pas grand chose à vous dire, quoi. C'est-à-dire que bon, effectivement, les auditeurs n'ont pas vu forcément, mais la tête de Miss France parle pour elle-même. Ce soir, un éclair de Guény, une tranche de rire et de plaisir. C'est pas si compliqué.
Bah, j'ai pas vraiment envie d'exprimer en fait, parce que moi je défends les arts et là je trouve que c'est une insulte en fait. J'ai pas envie d'être too much, mais c'est ridicule en fait de faire ça. Chantez pas, vous savez pas chanter, c'est tout quoi. Non, mais j'ai pas envie de parler. Bon, les gars, ça va pas du tout. Moi je vais vous dire pourquoi ça va pas, parce que j'ai fait 3 ans de solfège. Et oui, 3 ans de solfège avec mon père, ok. Bref, sur le refrain, la deuxième partie de la musique, vous êtes trop bas, vous êtes en fa dièse, faut aller en ré aigu. Ça va pas ça. Ça va pas. Regarde, je vais te la faire avec mon élève. C'est simple. Ce soir, un éclair de guenille. Tu vois ? On est d'accord. C'est comme ça. Bravo. 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 Merci pour tous vos messages. Ah d'accord, je crois que t'allais me remercier. Allez, dégage. Ce qui suit quand même est sympa aussi, Maxime Guenny. Ah, je me suis pas arrêté là. J'allais pas m'arrêter. Bon, j'adore ces personnes, mais là, voilà, je me suis dit, il faut que je tape dans l'histoire de la France. Il faut que j'aille chercher peut-être des personnages mythiques qui ont connu le monde de la musique. Et donc, j'ai interviewé un duo qui a connu sur les plateaux de télé, bien écoutez, les plus grands chanteurs, même internationaux, quoi, de la musique. Ils en ont vu plus d'une. Et quand ils ont vu votre musique, ils ont été assez choqués finalement du mal que vous faisiez à la musique. Regardez. Bonjour, je m'appelle Charlie. Bonjour, je m'appelle Lulu. Alors, nous voulions juste rendre un hommage à Maxime Guenny qui chante, paraît-il, et il paraît que c'est très très bien. Déjà, il a du mal à parler, alors chanter, ça va être compliqué. Non, mais attention quand même. Ah bon. Oui. Alors, Maxime Guenny, on voulait vraiment te soutenir parce que nous avons présenté une émission qui s'appelait 8 Machines. Oui, c'est vrai. Voilà. Et je crois que les gens avaient du talent, ceux qui chantaient, j'entends. Donc, la musique, on connaît. Oui. Donc, Maxime Guenny, c'est vachement bien. Bah, sauf quand il chante. Une grosse merde. Ses débuts, j'ai tout fait pour pas qu'il réussisse. Ah, zut. Bah, moi, je connais un peu. On se croise souvent. Ouais, donc, bien gagné. Voilà. D'ailleurs, il doit 150 euros. Ah, bon, bah écoute, Maxime Guenny, on te souhaite tout le meilleur pour ta carrière de chanteur. Oui, ne meurs pas trop vite parce que ça. C'est, non. Ça en est temps pour toi. Voilà. Allez, Maxime Guenny, à fond. Ça. Bah bravo. Bravo. Charlie, Lulu quand même. Charlie, génial. Mais moi je travaille, je suis pas comme tous ces chroniqueurs là, c'est des emplois fictifs, moi je travaille. Moi je vais au bout des choses, Maxime Guenny. Oui. Et bah vous aurez une augmentation. Oui, profite. Profite, tu vas te retrouver au chômage partiel. Bon, après tout, je me suis dit, peut-être que c'est générationnel du fait que je n'aime pas cette musique. Ouais. Peut-être que c'est moi le problème, Gilles. Oui, peut-être que, peut-être. Voilà, peut-être que finalement, sans doute, les personnes âgées, eh bien après tout, apprécient ce style. J'ai donc été en EHPAD et j'ai interviewé cette mamie. Regardez. Alors, un programme vraiment inné. Alors, Maxime, tu penses juste, mais tu chantes faux. Je t'adore, tu le sais, je t'adore. Mais alors, moi, je te propose, je te fais une séance de training dans un petit coin séparé, tous les deux simplement, quand on a un beau jeune homme bien fait de sa personne, impeccable côté face et côté fesse, et ben on peut pas se permettre d'avoir ce petit détail qui cloche. Suis ta voix, enfin ta voix, la vraie voix avec un E, hein, pas celle-là. Hein. Ça non, oublie. Eh ben, bravo. Il a fait un sacré il travail. Isabelle Morini Bosse. Bravo. Et on conclut. Et oui, parce que moi je vais m'en aller. Vous avez envie de partir en plus. Je vois, durant cette chronique. Ah, du tout, je vous écoute avec plaisir. C'est gentil. Bon. Alors, Maxime Guenny, très belle barbe aujourd'hui. Quand merci même, beaucoup. Dire, je, très l'ai, bien taillé. Je l'ai bien taillé. Merci beaucoup. Alors, pour conclure cette chronique, Maxime Guenny, je me suis dit qu'il me fallait quelqu'un qui avait finalement de l'expérience, un animateur d'expérience. Mais rigole le barbu là-bas. Un animateur d'expérience. Oui, oui. Qui pouvait me dire que mettre de la musique dans de l'animation, bah, c'était pas possible. Je voulais un réel électrochoc. J'ai donc contacté un taulier. Regardez. Salut Maxime. Je sais que tu aimes bien chanter, mais il faudrait vraiment faire un geste pour la nation. C'est presque un geste civique. Au nom de tous les miens et de tous ceux qui t'écoutent, il faut arrêter de chanter. Voilà. Parce que je dois te le dire, je sais que tu vas avoir mal, mais tu chantes vraiment comme une merde. Voilà. Eh ben dis donc, vous êtes surpassé sur cette chronique. Ah, je me suis surpassé. Bravo. Bah écoutez Maxime Guenny, j'espère que vous aurez eu un électrochoc durant cette chronique. Eh ben, en tout cas, vous vous félicitez de la qualité de cette chronique. Vous intégrez le tour de table une fois que Gilles est parti, d'accord ? Bah écoutez, j'espère que vous arriverez à mieux articuler dans les prochaines semaines. Puis je vous laisse. Merci tout le monde. Bravo. Allez, Olivier. Allez, ciao. Merci. Attachez vos ceintures. Embarquement immédiat pour un éclair de Guenny. Tous les mercredis, de 22h à 23h30. Un invité qui fait l'actu, des jeux, du débat. Retrouvez Maxime Guenny et son équipe dans Un éclair de Guenny.